Voici Dimitri Kharbanenko, qu'on attendait avec impatience à la barre fixe. L'ancien champion de Russie, devenu français, et qui a remporté une médaille au championnat du monde pour la France à Lausanne, médaille d'argent au sol, va maintenant évoluer dans l'espace de Bercy. Attention. Bien. Kovacs, le double au-dessus de la barre. Et encore une fois. Deuxième Kovacs, parfait. Changement de face. Tour volant. Oula, reprise d'une main. Passage dorsal. Triple arrière au temps. Ah, il est encore costaud, Dimitri Kharbanenko. Triple salto en sortie. Petite hésitation et incertitude en milieu de mouvement. Voilà, c'est ici, attention, il est légèrement désaxé. Ce qui l'amène sur le franchissement dorsal à traverser toute la barre. Il est très loin. Et il se récupère d'un bras. Voilà, c'est la petite faute du mouvement. Voilà, tour volant, plus un demi-tour. On reprend la barre en prise mixte. Et grâce à cette loupe, vous pouvez constater que la prise de main est essentielle, surtout lorsqu'on vient d'évoluer dans l'espace. Triple salto en sortie. Bravo Kharbanenko, qui est au micro de Nelsono Monfort. Dimitri, justement, vient de regarder la fin de sa démonstration. Il y a eu un petit déséquilibre, vous nous disiez. Oui. Mais en fait, j'étais... Après mon tour volant et demi, j'étais bien désaxé. Et en fait, j'ai passé un petit peu de côté où il n'y a pas d'assez blanc. Et en fait, ma manique, elle est bien glissée. Et j'étais obligé de rattraper de l'autre sens. J'ai bascule, j'ai retourné. Et voilà, je finis mon mouvement. Très bien. Merci, Dimitri. On vous retrouve demain. Merci beaucoup. Merci.